Salut tout le monde, c'est ZON64210. Donc c'est une petite tuto comment bien nettoyer son PC. Donc il y a deux techniques, on va utiliser les deux techniques pour mieux nettoyer votre PC. Donc moi pour vous dire, j'ai réussi à nettoyer, j'ai réussi à gagner 10 gigas grâce à cela. J'ai un peu découvert tout seul, voilà. Donc je vais vous montrer. Vous allez dans démarrer, vous allez dans panneau de configuration, vous avez tout ça, vous allez dans programme, désinstaller un programme. Voilà. Donc ensuite vous avez tout ça, vous en choisissez un, vous allez le supprimer, mais un truc qui vous sert à rien, sinon ça sert à rien de le supprimer. Par exemple, je sais pas, il y a un truc qui vous sert pas. Ah, c'est chiant, ça. Je sais pas, ça par exemple, non, ouais, par exemple, je sais pas, non, choisissez un truc qui vous sert à rien, et vous allez quand même gagner la place, car toutes les données vont se mettre ici. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les deux techniques qui vont vous servir. Par exemple, on va prendre ça, vous faites désinstaller. Des fois ça marche pas, on va savoir pourquoi. Bon voilà, donc ça marche pas parce que je l'ai pas installé. Et donc voilà, donc vous le désinstallez, donc ça vous met désinstallé, voulez-vous vraiment? Oui, désinstallation. Il se met pas dans votre Purebay ou, enfin je crois pas. Donc dès que vous avez fait ça, vous avez déjà peut-être gagné 5 gigas. Et une autre technique, vous allez en démarrer, ordinateur, vous allez dans disque local, et vous allez dans propriété. Dans propriété, vous allez dans nettoyage de disque. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc si ça prend trop de temps, moi je vais couper la vidéo, mais je pense pas. Et donc voilà. Et donc après, vous faites nettoyage de disque. Bon, moi je viens de le faire, donc je vais avoir à peu près 5 mégas. Je vais m'enlever, voilà. Donc là, ça va vous prendre un peu de temps. Donc voilà. Voilà. Donc après, vous sélectionnez tout, vous laissez tout sélectionner. Vous mettez espace total gagné 200 mégas. Nettoyez les fichiers système. Il faut bien cliquer là-dessus. Et voilà, il les a nettoyés. Mais normalement, ça prend du temps. Voilà, donc là. Donc le nettoyage de disque calcule l'espace pouvant être libéré. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Donc s'il dure plusieurs minutes, ben, je vais couper la vidéo, mais je pense pas qu'il va durer plusieurs minutes. Donc voilà, vous voyez le vidage des mémoires, toutes ces erreurs, tous ces bugs, tous ces trucs que vous avez supprimés, mais que vous avez quand même les données, il va tout vous supprimer. Et vous faites OK. Et vous faites supprimer les fichiers. Comme ça, là, vous êtes sûr à 100% qu'ils sont tous supprimés. Et vous voyez, dans votre Purebay, elle n'est pas remplie. Et voilà, vous avez gagné. Moi, j'ai presque rien gagné, parce que je l'ai déjà fait. Vous voyez, j'ai pu gagner 200 mégas. Du coup, on fait 23 gigas et 22 gigas dérivés. Et voilà, deux techniques pour bien vider son PC. Et sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous aimez mes autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, bah, salut tout le monde, à une prochaine vidéo.